Voyons voir. Oh, continue à fureter. Nous trouvons quelque chose à fabriquer après. Atreus, suis-moi. Fais attention avec ça! Je suis en train de le réparer! Saleté de rouage! Pourquoi tu fonctionnes pas? Appelez ça les ronces de L. Impossible à brûler. J'arrive pas à voir. Est-ce qu'on se rapproche de la montagne? Oui. On peut y aller.
Tu penses que tu pourrais me laisser la porter sur la fin? Je t'ai déjà dit non. Pourquoi? Je tenais plus à elle que toi, de toute façon. Quoi? C'est juste que je passais plus de temps avec elle. T'étais souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire maintenant. Comment c'était? Tu t'amélioreras avec la pratique.
concentré. Tu dois trouver une lumière de guérison. Cet endroit. Je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. C'est de la fumée ? Ne t'approche pas. Bah, qu'est-ce que c'est? On doit trouver un autre chemin. La sorcière. Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée à sauver mon ami. Tu te souviens? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être... Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien.
Même si on a blessé votre ami? Même si vous avez blessé mon ami, oui. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. On va dans un autre royaume? Vous venez avec nous? Seulement pour un temps. Juste pour un temps. On va se servir de ça. Greitha. On peut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passée. Il avait peut-être fini. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçants, en jugé par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Tourne ce levier. Là. Le temple de Tyr est au centre du lac. C'est là que se situe le passage vers Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté, et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Vous savez, on a parlé au Serpent Monde. Vraiment? Une exagération. Je suis douée pour les langues. Même celle que j'ai jamais entendue. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Oh. Il doit se sentir seul. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Tu regardes bien? Léost! Hein? Il est solide! C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines, de quelle magie s'agit-il? Celle d'Evan. De Vanaheim? Tu les connais? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que, comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix.
Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Tournez à droite au bas de ces marches. Vous pouvez descendre ces marches et tourner à... Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez-là, je vais ranimer la lumière. Liosta. Ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Maintenant, remets-le en place. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Wow ! Tu fais tourner tout le pont ? Comment est-ce que tout le pont peut bouger ? T'es vraiment très fort. Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Tu fatigues ? Non. Il a toujours été très fort. À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des Éléans. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de pauvres âmes tourmentées, qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui ? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts ? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. C'est parfait. Remontez. C'est prêt. C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr ? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Liosta.
La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi ? Les dieux ne m'apprécient guère. On y est ? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Approche-toi de la table. Comment ça fonctionne ? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant ? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là, dehors, et les 9 royaumes sont tous entrelacés et coexistent sur les branches de l'arbre-monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre-monde ? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre-monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Oh ! Est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps ? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Vous voyez ce cristal géant ? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir du Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac ?
La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Ça n'a pas marché. On est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin? Elle est située dans un temple en forme d'anneau. Ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, non, non. C'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger dans les... Elle est pas morte, pas vrai? Il y a peu de chance. Viens. Cet endroit est incroyable. Reste à côté de moi et ne touche à rien.